Je prends sur le vif, je fais un croquis sur le vif, mais bon, il bouge tout le temps, donc ça reste du croquis très léger. Et après, je reprends au propre, notamment pour être OK sur l'architecture, pour que le dessin soit précis, pour ensuite expliquer ce que je fais, ce qu'ils font et comment ça a été construit, pourquoi, etc. Et là, on est en plus à un allée de croisement entre deux accès, donc c'est un point aussi un petit peu stratégique du site tel qu'il était à l'époque. Puisque tu as l'accès vers les terrasses constructibles de ce côté-ci. Là, c'est la voie qui mène au cimetière d'un côté et au bâtiment de logement de l'autre. Voilà. Et là, aujourd'hui, là, actuellement, on est dans l'allée de Cryptomeria. Mais autrefois, c'était une allée d'eucalyptus. Et apparemment, ils étaient plutôt plantés ici, en fait, sur cette partie-là, en dessous. En laissant l'accès, la grande voie, là, libre vers le cimetière. Donc, tous ces petits éléments-là, en fait, quand j'entends les gars qui travaillent, j'enregistre tous ces éléments-là. Après, ils me valident s'ils pensent que c'est vraiment ça. Et moi, je peux l'intégrer au dessin pour donner des informations aux gens. Le dessin, c'est mieux parce qu'on peut montrer que ce qu'on veut montrer. Une photo, elle montre tout. C'est une grande tâche, donc j'essaie d'être fidèle à ce qui se passe ici, à ce que je vois ici. C'est pour ça aussi que je demande à chaque personne de valider si elle est d'accord que je la montre dans cette situation-là, que je lui fasse dire ceci ou cela. Et ouais, c'est presque un travail de reportage, mais en plus avec un côté d'interprétation aussi. C'est ça qui est un petit peu délicat, et c'est là aussi que c'est une création artistique. Et donc il faut que je mette encore l'ancrage, et puis que je fasse le texte aussi, pour expliquer ce qu'elle fait. Je n'avais pas vu ça, c'est super drôle. Bah, l'intérêt, c'est que ça montre aussi que c'est pas que la photogrammétrie, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ah bah, surtout ici. Si t'as pas le bon contexte, donc. Surtout ici. La difficulté pour lui, c'est qu'il a des fois peu de recul. Ah ouais. Bah oui, c'est ça. Et donc, d'accord. Multiplier les photos, ça veut dire multiplier les points topo. Et sinon, bah, j'avais expliqué un petit peu aussi ce qu'il faisait ici. Ici, non. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien, là ? Là, c'était l'interview avec Apollo et sa classe qui sont venus interviewer. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Là, je ferai le travail de Fanny un peu plus Fanny précisément. Fanny qui fait ses sondages. Voilà. Ouais. Un autre volet de mon travail, ici, c'est de faire en fait, des interviews. Ça. Ah, ben ça, c'est Laurent ? Oui, c'est un croquis. Il faut à retravailler, évidemment, à faire au propre. Donc, je suis allée voir Laurent Guaro et son équipe qui travaille sur les cachots de la léproserie. Donc il y a une interview d'un collectionneur, Monsieur Klein, qui est à la léproserie, qui collectionne des objets longtemps et qui connaît bien l'histoire de Lilette. Il y a un travail donc pour mailler un petit peu les deux. Je vais faire aussi des ateliers avec les enfants, des ateliers BD sur l'histoire de Lilette à Guillaume à la léproserie même. Et également, normalement, une fresque réalisée par les enfants de Saint-Bernard au sujet des enfants du pénitencier. Voilà, pour inclure un petit peu ce qu'on fait ici à Saint-Bernard et surtout que ça reste dans les mémoires des gens. C'est ça le but aussi, c'est de faire un travail de mémoire. En robe de soirée, en tenue plus décontractée, 16 modèles défilent pour la première fois sous les projecteurs et les applaudissements du public. Ils sont tous en situation de handicap, et avec ce défilé, ces modèles ont voulu changer les regards portés sur eux. On est tous beaux, malgré notre handicap, on est beaux de l'intérieur, et quand on défile, on montre aux autres personnes qu'on est beaux aussi. Et cette beauté intérieure, ils ressortent lors du défilé. Montrer que les personnes handicapées ne sont pas qu'un bout de ferraille. C'est aussi une âme, une beauté, justement. Et de dire qu'on est comme tout le monde, quoi, en fait. Qu'on a une beauté, qu'on a un cœur, qu'on a une âme. Et puis voilà. Les modèles sont prêts à défiler, maquillés et habillés par des stylistes. Ils présenteront les créations originales en imposant leur code de la mode et du défilé. Les tenues, c'était créé par les trois stylistes. C'était trois stylistes réunionnaises, Daphné Rousset, Elena Dijoux et Eva Ruzanovic.
et bah, ils vont défiler. Ils ont fait des créations et les modèles, bah, c'est eux qui vont défiler. Et je voulais mettre en avant l'handicap parce que pour montrer que bah, eux aussi sont capables et mettre en avant la beauté de l'handicap. Quoi. Pour ce premier événement, le public a répondu présent et les modèles ont décidé de revenir encore plus nombreux sur le devant de la scène lors de la prochaine édition. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un centre de planification familiale est un service du département. Il y a 10 centres de planification familiale et d'éducation familiale sur l'île de la Réunion, répartis sur toute l'île, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des sages-femmes, des agents de planification, des conseillères conjugales, pour toutes les gens qui souhaitent être accompagnés dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, dans leur vie familiale. Alors, Jeanne, oui. Bonjour. Bonjour. Tu permets que je te tutoie ? Oui, allez-y. Voilà. Écoute, tu viens aujourd'hui. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben, j'ai eu un premier rapport sexuel hier et je ne me suis pas protégée. D'accord. Du coup, je voulais savoir les solutions possibles. Tu peux me dire quand c'était tes dernières règles ? Principalement, on va recevoir des jeunes inférieurs à 25 ans. Mais surtout des jeunes mineurs. Pourquoi ? Parce que c'est ici un lieu de confidentialité, d'anonymat, et c'est surtout un lieu de gratuité pour les jeunes mineurs. Donc on va leur proposer une contraception. Très souvent, elles viennent pour leur première contraception. On va pouvoir enlever notre masque, puisqu'on est à distance toutes les deux, et on va pouvoir mieux parler. Voilà. Tu veux pas en parler à tes parents ? C'est non. Difficile ? Oui, c'est tabou. D'accord, ok. Par rapport à ce rapport sexuel, oui. Je vais te donner une contraception d'urgence, mm-hmm. qu'on peut appeler aussi contraception du lendemain. C'est vrai que là, tu es venue très tôt, c'est bien. Et donc, je vais te donner ça aujourd'hui. Et puis ensuite, on va discuter si tu voulais une première contraception. Oui. Tu voudrais prendre ta contraception ? Oui, je reviens prendre la pilule. Tu veux pas en parler à ta maman ? Ça va être non difficile. Plus. D'accord. Quand elles vont venir ici, elles vont pouvoir parler en toute confidentialité, savoir que c'est anonyme, et elles vont repartir avec leur pilule. On va leur expliquer des différentes contraceptions qui existent, celle qui est la plus adaptée pour elles, et elles vont ensuite pouvoir repartir avec leur pilule et revenir. Ensuite, si elles ont des questions, elles seront toujours quelqu'un qui pourront les renseigner. Donc, tu as la pilule déjà, qui peut se prendre tous les jours ou qui peut s'arrêter une semaine au bout de 3 semaines. Il faut que ça soit quand même du quotidien et bien quand même régulier. Ensuite, tu as le patch. C'est une pilule. Donc, tu vas coller le patch, tu vois. Et là, c'est tu en mets par semaine. Donc là, on n'est plus tous les jours, on est par semaine. Donc, tu vas mettre 3 patchs dans ton mois et une semaine où tu ne vas pas mettre le patch, où tu vas avoir tes règles. Et puis après, tu as l'anneau qui, pareil, dans l'anneau, contient la pilule, tu vois. Il n'y a pas ça, évidemment. Il n'y a que l'anneau. Et ça se met à l'intérieur de ton vagin. Il faut que tu sois assez à l'aise avec ton corps pour mettre ça. Et ça se met au fond de ton vagin. Et ça, c'est bien parce que ça se garde 3 semaines. Le petit inconvénient de ces 2 contraceptifs que je viens de te parler, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. Ensuite, tu as l'implant. Tu vois, c'est un petit bout de plastique, un petit peu de la matière, un petit Scooby-Doo, tu vois, qui est très court et qui se met dans le bras. Et qui là va être posé pour 3 ans. Il y a des petits effets secondaires. Tu peux avoir des saignements un peu tous les jours. Donc là, c'est vraiment un effet secondaire qui n'est pas forcément très bien toléré. Et puis après, on en vient au dispositif intra-utérin, qui est en cuir, là, tu vois, qui va ne pas t'apporter d'hormones et qui va te protéger très très bien. On peut mettre un stérilet, un dispositif intra-utérin aujourd'hui, même quand on n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est pour 5 ans. Et puis, tu as les dispositifs intra-utérins hormonaux, où tu as un tout petit peu d'hormones qui sont dans le dispositif et qui vont quotidiennement
à l'intérieur de ton utérus et pas diffusées dans tout ton corps, mettre un petit peu d'hormones et qui vont généralement, tu auras moins de règles avec ce genre de dispositif intra-utérin. Et puis là, tu as les préservatifs féminins, d'accord ? Que si ton partenaire ne veut pas mettre, eh bien, sache que toi, tu peux mettre un préservatif. Et sache, comme je le te disais dès le départ, c'est pour te protéger dans un premier temps des infections sexuellement transmissibles. T'as compris ? T'as vu un petit peu ce qui s'offrait à toi ? Tu sais que la contraception, ça doit être toi qui dois la choisir par rapport à ta discrétion avec tes parents, par rapport à tes habitudes. Donc on propose tout en fonction du choix de la patiente. Ça va de la pilule, des dispositifs intra-utérins, de l'implant, on pose beaucoup d'implants, on retire beaucoup d'implants. On va aussi proposer l'anneau, le patch, et on va pouvoir fournir à ces jeunes cette contraception qu'elles vont venir en toute confidentialité. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. L'espace Redley du bas de la rivière Saint-Denis complète les centres de vaccination Covid. Mis à disposition par le département, ce site permet aux 19-74 de vacciner en toute sécurité les professionnels de santé et maintenant les personnes de plus de 75 ans. Et donc à tous ceux qui doutent aujourd'hui des bienfaits de la vaccination en général, je rappellerai en tant qu'autorité sanitaire que la vaccination, ça a bien sûr été un des piliers fondamentaux des progrès de la médecine. Il y a trois grands principes qui fondent la stratégie vaccinale mise en œuvre en France et donc ici, je dirais à La Réunion, c'est l'efficacité, la sécurité et la transparence. Donc les gens qui arrivent ici, initialement, ils ont pris rendez-vous sur un site, sur une plateforme. Donc normalement, ils ont rendez-vous. Donc là a lieu la première vaccination. Le premier à se faire vacciner s'en souviendra longtemps. Il y a eu 135 petits incidents. Même si suivre ce parcours semble une formalité, les choses sont très encadrées. Le transporteur lui-même n'a que 10 heures devant lui pour transporter en toute sécurité ses flacons une fois qu'ils sont sortis du congélateur. Donc ça veut dire qu'on a quand même prévu que chaque centre soit approvisionné 2 à 3 fois par semaine. Actuellement, le département compte 8 centres de vaccination, dont 4 comme ici, en ambulatoire. L'idée est de répondre à l'exigence sanitaire d'efficience et d'accessibilité géographique. Et nous, on est parti. Ça va, c'est bon. C'est bon ? Ah oui. Bah, c'est pas dur alors ? Ah oh, bah, allez, on attend le deuxième tour. Dans 28 jours, on aura la deuxième piqûre à faire. Oui. Donc va recontacter à vous directement. D'accord. Là, on doit attendre encore pendant 15 minutes pour être sûr que tout va bien. Et maintenant, il peut avoir des effets indésirables pendant les jours qui suivent. Un petit peu de fièvre, un petit peu de mal au ventre, un petit peu de nausée, un coup de fatigue, ça c'est normal. 80 personnes peuvent se faire vacciner quotidiennement. Ainsi, sur rendez-vous, tout le monde est maintenant invité à se faire vacciner dans ce cadre historique. On n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Il est important de se vacciner. On est dans l'espace Redley, un espace qui était à l'époque occupé par un médecin, le docteur Redley, qui a participé aux premières campagnes de vaccination contre la variole dans la commune. Donc je crois qu'il faut tout faire pour se faire vacciner. C'est important pour soi, mais c'est aussi important pour son entourage et pour la collectivité. Et puis comme conseil, on dit, écoutez monsieur, vous avez bien passé madame, et bien ramenez-nous 2 personnes de votre entourage. Exactement. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. L'Îlet à Guillaume abrite un lieu unique à La Réunion. Il s'agit d'un plateau complètement isolé sur les remparts de la rivière de Saint-Denis. À partir de 1864, les missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit décident d'y construire une colonie agricole pénitentiaire pour enfants. À l'image de ces maisons de correction qui essaiment partout en France au milieu du 19e siècle.
À partir de 1850, en France, on installe ce qu'on appelle les maisons de correction pour éviter aux enfants la prison. Donc on va mettre en place des lieux de placement collectifs où les enfants vont travailler, vont être isolés et on pense que grâce à ça, ils vont être redressés. Ben, c'est exactement ce que vont faire les spiritains ici, d'abord à la Providence, puis en créant une annexe là-haut, à l'Islette à Guillaume. Et on va y ressembler des enfants, placés par la justice des enfants, qu'il faut redresser. L'Islette à Guillaume, les enfants sont gardés par les remparts. On n'a pas besoin du tout d'une architecture carcérale. Et pour ça, l'Islette, c'est absolument dans le projet des maisons de correction. Et puis c'est un lieu où les enfants vont beaucoup travailler. On va beaucoup leur faire construire des murs, des terrassements, des routes, un pont. Et là aussi, on est dans le projet intégral des colonies agricoles pénitentiaires. On pense que par l'isolement, et le travail, les enfants vont retrouver le bon chemin. C'est absolument, pour le coup, assez inédit pour moi de travailler avec des archéologues. C'est-à-dire que là, on va vraiment mailler le travail en archives et le travail sur le terrain. Pour compléter le travail de l'historienne sur les archives, une équipe d'archéologues, sous la direction de Thierry Cornec, est chargée par le département de La Réunion de réaliser une étude exhaustive des vestiges du pénitencier. Pour cette mission que le département a confiée à l'INRAP, je suis accompagné de trois spécialistes, un topographe qui assure aussi tous les relevés de photogrammétrie, un spécialiste de l'étude du bâti qui va nous permettre de décrypter les différentes constructions et une archéobotaniste pour l'évolution de la flore sur le site. L'année dernière, il y a eu un relevé LIDAR qui a été réalisé sur le site par le département. Donc ce relevé LIDAR nous donne un modèle numérique terrestre. Donc, c'est-à-dire qu'on voit le micro-relief du site. Le problème du LIDAR, c'est qu'il fait abstraction de ce qui est anthropique et naturel. Nous avons effectivement, nous voyons des terrasses, un micro-relief, mais on ne sait pas s'il a été fait par la main de l'homme ou naturellement. Donc nous, notre rôle d'archéologue, justement, c'est de différencier ce qui est naturel et ce qui est anthropique. Or ici, vous voyez que toutes les terrasses, elles sont anthropiques, elles ont été construites par ces enfants pendant ces 15 années d'existence du pénitencier. Les informations que je vais apporter à mes collègues, déjà c'est un plan au sol pour connaître les espaces de circulation, où se trouvent les habitats, avoir des données de purement métriques, de mesures, et puis aussi de leur apporter des documents sur les élévations qui vont permettre à mes collègues justement de travailler sur ces murs et notamment dans la partie archéo du bâti que fait Ludovic et Thierry. L'étude des murs nous permet de retracer l'histoire du site à partir de la construction et des méthodes de construction des murs. Les archives nous parlent de maçons et de charpentiers qui participaient à la mise en œuvre du chantier. Mais par contre, on ne sait pas à quelle hauteur les enfants ont travaillé. Ils ont pu participer à la construction de bâtiments de moindre importance, on va dire, comme par exemple la chapelle ou la forge, où l'utilisation de blocs plus petits est utilisée. Ou alors au dallage, on sait qu'ils ont participé au chemin d'accès et à la voirie principale. Ce lieu, quand il était en utilisation par les enfants du pénitencier, on sait qu'il y avait de l'agriculture, parce qu'ils vivaient un petit peu en autonomie, on était très loin de Saint-Denis. Donc on a des témoignages, des sources d'archives qui nous disent qu'il y avait de l'agriculture. Le but maintenant, c'est de pouvoir vraiment la caractériser. Est-ce que c'était une grosse agriculture intensive d'une seule espèce? Est-ce que c'était plein de petites espèces différentes? Pour répondre à cette question, je vais faire des prélèvements surtout. Donc je creuse des sondages, des petits sondages, dans lesquels je prélève du sédiment. Ces sédiments, ils sont tamisés et je vais rechercher les graines et les charbons en priorité. Donc ça va me permettre de pouvoir dire, bon ben, à tel endroit où j'ai prélevé, on avait telle espèce, telle espèce, telle espèce. Ces trois disciplines se complètent pour dessiner l'évolution des différentes constructions en proposant des chronologies relatives des murs, en déterminant leur mode de construction. La mise en commun du travail des archéologues permet de mieux comprendre la destination de chacun des espaces, logements, ateliers, lieux de culte, basse-cour, vergers, mais aussi voiries, canaux et bassins nécessaires à la gestion de l'eau captée par la communauté en amont du site. Donc on a tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du site et surtout de s'apercevoir qu'il y a des plein de choses inédites qu'on ne connaissait pas, qui avaient été vues mais mal interprétées ou pas interprétées du tout. Donc au titre des nouveautés qu'on a découvert grâce à notre travail d'essentiellement de nettoyage du site, le fond probablement de la basse-cour. Pourquoi c'est une basse-cour? Puisque surcreusé dans cette terrasse, on a un bassin. Pourquoi c'est interprété comme un bassin? Deux éléments.
Les murs qu'on a devant nous sont enduits pour rendre les parois et sans doute le fond étanche. Et puis surtout, sur la droite du bassin, dans la paroi un petit peu effondrée ici, on a un exutoire qui permettait d'amener l'eau à cet endroit du site. Au-dessus, on a à nouveau une allée de circulation. Et puis encore au-dessus, on a le dernier élément d'un grand bâtiment qui était considéré comme une partie du logement de la communauté. Et à l'extrémité, les murs en élévation qui sont cette fois-ci, contrairement aux autres, maçonnés, montés au mortier de chaux. C'est très très probablement ce que dans les archives on a découvert comme étant la chapelle provisoire avant la construction de l'église qui est construite à l'entrée du plateau. La perspective principale en fait du travail à venir, c'est de croiser les résultats de l'étude de terrain avec l'étude historique de Véronique Blanchard, de façon à approcher au plus près la vie des spiritains et des enfants du pénitencier de Liliata Guillaume pendant la quinzaine d'années qu'ils ont vécu ici. Pour aller plus loin, et conformément à la mission confiée par le département de La Réunion, l'INRAP va proposer des fouilles sédimentaires sur des thématiques particulières, comme les logements de la communauté, afin d'approcher un peu plus le quotidien des enfants et des spiritains du pénitencier Dilata Guillaume, qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. À partir des résultats de cette étude, le département de La Réunion va pouvoir, en concertation avec les habitants, définir un projet de préservation et de valorisation de ces vestiges pour le rendre accessible à tous les Réunionnais et au-delà.